Reborn. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn. Je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Et laissez un j'aime si vous pensez que cette vidéo vous a été d'une grande utilité. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage et de cette phrase qui revient tout le temps. On nous dit qu'on s'unit pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cela sous-entend que les gens qui vont s'unir là, peuvent affronter après leur mariage plusieurs choses de la vie, de bonnes choses comme de mauvaises choses. Mais ces deux personnes, une fois qu'elles ont franchi ce cap-là ou encore ce niveau-là, elles ne peuvent plus revenir en arrière. Mais la plupart du temps, les gens ne comprennent pas le deuxième volet de la chose, là où on parle du pire. On dit on se marie pour le meilleur et pour le pire. Le pire. Qu'est-ce qui est caché dans le pire là? Je vais vous dire. Déjà, quand on parle du meilleur, de ce qui est meilleur, ce qui est bon, c'est toutes les bonnes choses que vous pouvez avoir quand vous serez marié, des enfants, l'amour. Vous allez faire des choses que les gens célibataires ne peuvent pas facilement faire. Tout le monde va vous voir. Et puis, vous voyez même dans le mariage, oh, regardez comme c'est la joie. Oh là, l'amour est là. On s'aime. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont comme un bonheur. C'est ce qu'on appelle le bonheur. Il y a plein de choses. C'est-à-dire, certaines personnes, quand elles se marient, beaucoup de portes sont ouvertes, même au travail. Certaines personnes ont des avantages parce qu'elles sont mariées. Oui, c'est comme ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. Oui. Là, c'est censé être le pasteur, non? Ou bien à la mairie. Vous êtes face au maire. Il vous dit, oh, il y aura beaucoup de temps très intéressant, de temps de joie. Mais n'oubliez pas le deuxième volet. Là où on va parler du pire. Le pire, parce qu'on se marie pour s'unir, se soutenir dans tous les moments possibles. On a parlé du bonheur là où tout est heureux, tout est bon, la famille s'entend et puis ça avance. Maintenant, quand on parle du pire, nous allons vous dire certaines choses. Parce que quand on veut même parler du pire à certaines personnes qui s'aiment bien, qui se préparent à aller se marier, ces personnes-là ne veulent même pas nous entendre. Ces personnes-là ne veulent même pas qu'on parle du pire aussi. Or, si nous sommes bien préparés à affronter les situations les plus terribles de la planète, c'est sûr que nous pourrons réussir notre mariage. Si on s'est entendu sur ça avant d'arriver chez le maire, ce serait même mieux. C'est pourquoi moi maintenant, je préfère vous prévenir et vous demander de prendre le pire des cas des choses et combattre le pire des cas, affronter le pire. Si vous avez réussi à vaincre le démon du côté pire de cette situation, vous allez réussir votre mariage. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de divorces. Maintenant, quand on parle du pire, avec plus de détails, ça ressemble à quoi en général? En général, ça peut ressembler à des cas de pauvreté. Du genre, quand les deux se sont rencontrés, les deux se sont mariés, là, tout allait bien. Même à un moment donné, le monsieur a perdu son travail. Et tout reposait maintenant sur sa femme. Elle ne pouvait plus supporter. Elle s'est dit, ah vraiment, on s'est marié, on est bien, mais là, ça devient grave. Il faut que vraiment moi j'aille me chercher. Parce que tu n'as plus rien pour m'entretenir. Ma pommade, ma peau. Si les gens me voient, si les gens voient que ma couleur de la peau a changé ou bien c'est devenu noir, les gens vont se plaindre de moi. Donc vraiment, si ça là, tu n'as pas de travail, tu ne m'arranges plus. Ça là, c'est une situation qu'on appelle du pire, le pire. Là, il n'y a plus d'argent. Est-ce que vous avez pensé à ça? Quand il n'y aura plus d'argent, est-ce que vous êtes bien entendu, bien assis pour réfléchir sur ce niveau-là aussi, où il n'y aura plus d'argent, où on ne sait pas, c'est pas que ça va arriver, mais
on prend le pire des cas, toujours, on prend le pire des cas. Quand il n'y a pas d'argent, comment est-ce que la femme va te laisser? Ma chérie, quand toi tu ne seras plus en forme, belle comme avant, est-ce que le monsieur va te laisser? Parce qu'il y a ça aussi. Les hommes veulent tout envoyer les femmes jolies, extraordinaires. Mais la vieillesse, c'est une chose qui frappe tout le monde. Que vous voulez ou pas, vous n'avez pas de pouvoir sur le temps. Donc la vieillesse peut frapper la femme ou cesser, par exemple, tomber, ou bien il n'y a plus de fesses, ou bien il n'y a plus quelque chose de physique pour te séduire ou t'attirer. Dans cette situation, est-ce que tu as pensé aussi à ça? Ma soeur, est-ce que tu as pensé à ça? Dans cette situation-là, dans cette situation, peut-être que ton mari va voir ça comme une pire situation. Mais ça, ce n'est rien. Si vous êtes entendu et que vous vous aimez bien, l'amour qui est entre vous, vraiment, ça risque de couvrir beaucoup de choses et vous permet d'avancer. Et quand on parle de l'amour, à un moment donné, il y a des gens qui sont en couple et ces gens-là pensent qu'ils ne s'aiment plus. Et le monsieur, il est là et puis il dit, ah vraiment, ma chérie, tu es jolie, mais j'ai l'impression que je ne t'aime plus. Comme je ne t'aime plus, il faut qu'on se sépare. On dit pour le meilleur et pour le pire. L'amour qui est là, ça vient pour attirer les gens vers le père, les couples, les relations. Tu vois une fille, elle est belle, ça t'attire. Tu vois qu'elle est jolie, c'est intéressant. Tu vois le gars, il est beau, ça t'attire. Et tu commences à l'aimer. L'amour là-bas, ça sera comme un feu qui sera allumé. Mais l'amour là, à un moment donné, vous allez voir que ça va baisser les tensions. Vous allez faire 3 ans ensemble, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Parce qu'on a dit que jusqu'à la mort vous sépare. Mais bien sûr que oui! Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc l'amour, à un moment donné, ça va baisser. La femme là-bas donner comme déjà ta soeur. Tu vas même la voir comme ta soeur. Peut-être que tu peux même oublier. Tu dis, oh bonjour, c'est ma soeur. Je vous marche en soeur, tu la présentes aux gens comme étant ta soeur. Parce que à un moment donné, là, la femme va devenir comme ta soeur. Dans cette situation là, les gens commencent à se dire, mais ah vraiment, est-ce que j'aime toujours ma femme? C'est la même chose chez les femmes aussi. Elles peuvent dire, mais ah, est-ce que j'aime vraiment mon homme? Il y a très longtemps, on est resté ensemble quand même. C'est la seule personne que j'ai eu durant toutes ces années. Oh, avant que je me marie, j'avais plein de copains, je n'ai plus ces avantages, tout ça. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le pire. Réfléchissez bien. Moi, je vous donne juste quelques points seulement afin que vous puissiez bien vous préparer avant d'aller vous marier. Le mariage aujourd'hui, là, c'est mis comme un contrat ou un vrai contrat de ouf. C'est pourquoi certaines personnes disent, oh, non, on préfère ne pas se marier. Parce que non, mon frère, malgré tous les problèmes qu'il peut avoir dans le mariage, il est très important de s'unir avec une personne. Le mariage, c'est une bonne chose, c'est une chose initiée par Dieu. L'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, les deux vont donner une seule chair. Quand tu es seul dans le désert, c'est pas bon. Quand vous êtes deux, c'est mieux. Quand l'un tombe, l'autre peut se lever. L'autre peut relever l'autre. Et pour l'homme, la femme, c'est une aide. Pour la femme, l'homme, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est comme ça. Vous devez affronter vos problèmes au lieu de les fuir. La chose qui va beaucoup vous aider dans le foyer, dans vos relations, c'est vraiment l'amour en premier. Deuxième lieu, la vérité. Soyez dans la vérité, ne vous mentez pas mutuellement. Si vous gardez des choses de votre cœur, vous passez votre temps à vous mentir, ça va être des problèmes. Et la troisième chose, oui, c'est la communication. Si vous communiquez bien, vous causez, vous arrivez à parler, à communiquer. Même quand vous êtes en parlable, vous ne restez pas dans vos coins, des gens comme si vous ne vous avez jamais vu, tous ces genres de choses. Ça va vraiment aider. Et il y a toutes ces choses que nous sommes en train de vous montrer là. Pour pouvoir bien apprendre cela, il faut du temps, il faut des épreuves, c'est-à-dire des situations difficiles
pour que vous puissiez comprendre et voir ça. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Somme 128? On nous dit que dans Somme 128, qu'un homme qui a la crainte de Dieu, Dieu le bénit vraiment. Dans toutes ses dimensions, Dieu le bénit. Il bénit sa femme, il bénit ses enfants et tout ça. Donc vous devez vraiment bien réfléchir dans le mariage. Béni par Dieu, il y a vraiment de grandes choses qui peuvent en sortir. C'est très bien. Il y a bien évidemment aussi des ennemis qui seront devenus entre vous pour essayer de gâter l'affaire. Par exemple, l'homme et la femme peuvent s'entendre très bien. Et vous allez voir que les parents des deux familles là, ne s'entendent pas du tout. Ou bien d'un côté, peut-être du côté de la femme là, ses parents ne veulent même pas le monsieur parce que peut-être il n'a pas assez d'argent pour faire quoi que ce soit. Ce sont des situations pareilles qui peuvent influencer votre relation. Mais on se marie là, c'est pour le meilleur et pour le pire aussi. Ce sont des pires situations. Imaginez les pires situations. Mettez-vous, asseyez-vous. Le mariage, c'est pas le sexe, matin, midi, soir. Asseyez-vous. Mets-toi, ton monsieur, prends ta femme. Venez vous asseyez-vous sur une table. Et face à face, causez. Dis à la femme, ah, tu sais, on va se marier. Le mariage, c'est pas, on se marie pas pour divorcer. Nous devons montrer l'exemple aux gens du monde entier. Tu sais, moi je t'aime. Le fait que je t'aime et que toi tu m'aimes, c'est largement suffisant pour faire notre bonheur. Mais quels que soient les problèmes qui vont arriver, il faudra qu'on trouve une place dans notre cœur pour se pardonner mutuellement facilement. Il faut qu'on arrive à régler nos problèmes tout seul. Il ne faudrait pas que tout le temps on invite des gens pour venir entrer dans notre affaire. Parce que vraiment le mariage, c'est pas facile. Là, c'est dès le début, dès le commencement là. Avant même que vous allez voir les différents parents pour dire voici, on va se fiancer, il faut vraiment réfléchir à ça. Il faut déjà penser à ça. Parce que c'est dur. Maintenant, regardez cette situation que nous vivons en ce moment. C'est une situation bizarre, personne ne s'y attendait. Et le monde est comme ça. Tu ne t'attends pas à un truc et ça arrive. Ça arrive juste comme ça. En pas de coronavirus. Les gens sont en train de mourir par là. Tous sont en train de faire ceci. Maintenant, vous êtes deux dans la maison. Vous êtes deux. Si Dieu permet que vous ayez des enfants, peut-être que vous avez trois enfants. Ça fait combien de personnes? Ça fait cinq personnes. Les entreprises sont fermées. Même les églises sont fermées. Les lieux de culte sont fermés. Vous êtes deux. C'est chaud. Il n'y a pas de nourriture à la maison. Comment on va faire pour affronter cette situation? C'est là vous allez voir l'importance des gens qui sont mariés, l'importance de se marier, d'avoir quelqu'un dans sa vie. Là, la femme va s'asseoir, l'homme va s'asseoir, et les deux vont réfléchir et mettre sur pied une stratégie afin de pouvoir affronter cette situation de coronavirus, cette situation de confinement. Comment on va régler le problème? Et si les enfants sont devenus un peu grands et qu'ils peuvent même réfléchir, les enfants seront autour de votre table. Et vous allez ensemble réfléchir sur comment vous allez faire pour affronter la situation. C'est ça le mariage. Et ça là, c'est le bonheur. Moi, j'appelle ça le bonheur. Donc, toutes les personnes qui sont prêtes à se marier, c'est bien, mais réfléchissez dans toutes les dimensions. Des situations terribles, nouvelles, des problèmes qui sont nouveaux. Face à des problèmes nouveaux, comment vous allez réagir, comment vous allez faire? Une chose est sûre, c'est que vous deux, vous devez aussi faire confiance à Dieu. Dieu doit être au centre de votre vie. Vous devez avoir le même maître. C'est-à-dire, vous deux, vous devez être, par exemple, vous devez prier un Dieu qui est bon, qui est aimable et qui aime aider les gens. Si vous priez le vrai Dieu qui est comme ça, vous allez vraiment être orienté par lui et son esprit. Mais si vous êtes divisé parce que l'autre prie autre côté, l'autre prie autre côté, puis vous êtes dans la confusion avec les histoires des religions, ça c'est une chose qui risque d'affecter vos relations. Vous devez régler tous ces problèmes-là dès le départ. Aujourd'hui, là, la séduction partout. Les gens sont attirés par une femme parce qu'elle est sexy.
D'autres sont attirés par une femme juste parce qu'elle a l'argent. Les femmes sont attirées par les hommes parce qu'ils sont beaux. Ou bien elles sont attirées par les hommes parce qu'ils ont l'argent. Elles vont se marier avec lui parce que quand elles vont l'épouser, elles vont avoir des avantages. Or, dans le mariage, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, réfléchissez bien à ce que vous faites. Voici ce que signifie cette affaire de on se marie pour le meilleur et pour le pire. Prenez le pire des cas. C'est pourquoi dans la vie on nous dit il ne faut jamais être pressé pour se marier. Il ne faut jamais être pressé pour se marier. C'est pas une chose facile. Ça prend du temps. Et c'est Dieu qui doit unir, qui peut vous mettre ensemble. C'est Dieu qui peut vous mettre ensemble. Je dis bien ensemble, c'est-à-dire que célibataire, le célibataire. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, Dieu va croiser vos regards. Vous allez vous croiser en un point. Et c'est là que vous allez commencer à vous connaître. Mais ça ne sera pas dans une situation facile. Ça sera dans les difficultés. Parce qu'avec Dieu, tout commence à être difficulté. C'est des difficultés que sont quelque chose de bon et de solide pour que vous puissiez rester très longtemps dans vos relations. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que tu as compris mon frère? Est-ce que tu as compris ma soeur? Maman, si ton mari te trompe, faut prier pour lui. Vous êtes marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mon frère, si ta femme te trompe, faut prier pour elle. Il faut donner une place à ton cœur pour lui pardonner si elle veut se repentir. Même si elle ne veut pas se repentir et qu'elle veut divorcer, là, faut pas l'encourager à divorcer pour aller vers un homme. C'est vers la mort, elle va comme ça. Il faut l'aider, il faut prier en secret. Qui dit Seigneur, viens ouvrir les yeux à ma femme, qu'elle revienne à la maison. Parce que vous êtes marié pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, dans le cas où ta femme te trompe avec une autre femme, là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Dis-moi ce que tu vas faire. En tout cas, il y a tellement de violences dans ce monde que nous ne devons pas aussi négocier ce côté-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Un j'aime suffit. Partagez cette vidéo à vos amis. Surtout vous-même, asseyez-vous et réfléchissez. Parce que la vie n'est pas facile du tout. Que Dieu nous donne sa sagesse, son intelligence et son esprit du Seigneur. Rendez-vous pour la prochaine vidéo maintenant. Nous sommes même chauds. C'est lui, quoi. Merci. Et de bénéfice. Connaissez-nous.